Vas-y, on sort du monde. Attends, comment ça va, Mick? Manuier! Close, Pascal. Ah bon, ça bitch dans le dos de ma blonde. What the fuck? Depuis qu'il est plus là, c'est quoi? Hein? Vous êtes heureux? C'est quoi? Dites-le! Hein? Allez-y! Elle veut pas être ici. Ben non. Moi, avec la ouais. Moi, c'est une fille super positive puis super rayonnante. Puis là, ce qu'elle m'a montré hier, là, j'étais genre, c'est correct? Drôle de situation, là, à par rapport à ça, là. Le fait que Claude soit parti cette semaine-là, ça m'a permis de me rapprocher des autres filles pour pas qu'ils me crissent dehors. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est donc même pas... C'était pas agréable, puis genre, c'était un peu... Ça a rien servi parce qu'elle est sortie après. Il y a aucune chance que je fasse mes valises. Genre, je décolle, c'est pas d'ici, là. Je suis désolée. Tu sais, genre, avoir fait une crise, genre, je veux pas y aller. Je suis comme, t'es-tu correct, genre? Ouais. C'est vrai, je gratuite. Long devant toi. Devant moi en plus, genre. Moi, je serais allée, moi, avec elle. T'es-tu correct? Pas correct de faire ça à un être humain, OK? Moi, Mathieu, c'est la seule personne que je veux. Les autres gars qui sont tous passés ici, je m'en calisse des autres gars, OK? J'ai dit, là, c'est supposé être un événement positif, là. On vient de se faire annoncer un voyage. Je rends pas ça un événement négatif, là. Pour vrai, Matt, il va en juste une semaine de plus parce qu'il part la prochaine nation anyways. Quoi? C'est wack, mais je comprends, tu comprends? Parce que les autres filles, ils me connaissaient pas, je passais tout le monde avec Clo. It's all good, it's all good! It's all good! Aïe! What a nice day! Hey, thing. Ça a pas de bon sens. Après l'avion, Colin, quoi de mieux que de venir jaser sur le bord de l'eau? Tout le monde sait ça. T'as tout pour me plaire, littéralement. Là, fait que... Mais tu sais, dans la vie, je veux pas faire ça, puis c'est pas parce qu'on est ici en Afrique que je vais le faire. Tu sais, genre, j'aurais pu jouer la game, je savais pas cash, ça m'aurait pas dérangé, je t'aurais frenché, pis tout. Ah! C'est comme un friendzone non officiel, mettons. Comment t'as vécu hier le départ? Hier, t'as cassé un verre. C'est quoi ça? Ouais, mais moi, j'étais juste comme. Ils font exprès parce qu'ils savent très bien que Kev, je l'aime pas. Je veux pas parler de lui, mais c'est que moi, je veux pas être son ami. Kev puis Camille, moi, j'y crois pas. Parce comment que. Lui, il trippait Claudie en partant. Pas... Mais moi, du côté à Camille, moi, Camille, c'est ma girl. Puis de son côté, c'est authentique, ça, c'est sûr. Ophélia, c'est sa chum, Camille? Faut que j'accepte que Kev va rester si moi je reste aussi. Fait que là, je suis comme. Elle a la. Mais ça reste que j'étais un fucker, moi tout, je voulais rester. Fait que là, pendant que Chloé est pas là, parfait, je vais parler aux autres filles pour qu'eux ils fassent comme. Oh, on va le garder. Tu vois, je veux dire, c'est ça que c'est, là. Ça reste le jeu, là. Burn it! Stage à côté! What the fuck is going on, dude? Cette fille-là est parfaite. Ça va faire une Christie de belle blonde, mon chum, gars. Sors avec Marie-Léa, fais des enfants. On part. Let's go. On part. Bang, fais des espèces de... Hey! Oh, oula! Oui, mal au cœur. Non. Mais Mathieu, oui! Ouh, là, les gars! Ah! Tu collais dans ton ciel, là. J'avais les jambes de même. Là, j'étais là. Hey, c'est beau! Vomis pas. Hey, c'est beau! Vomis pas. J'étais là, vomis par là, là. Il m'a parlé de Claudie, il m'a parlé de sa réaction d'hier. Il m'a surtout parlé du fait que dans la vie, il était comme tout le temps positif, puis que là, il avait comme eu de la difficulté à contrôler ses émotions. Hier, j'étais dans un mood de merde. Là, le mood que j'ai aujourd'hui, rappelez-moi pourquoi on est ici, genre. Rappelez-moi pourquoi on est ici. Mathieu et moi, je l'ai dit depuis le début, tu sais, moi, il m'attire physiquement. Ouais. Mais comme moi, c'était comme absolument comme impossible. Tu sais, j'ai trop calme dans ma tête. À parler de toi, l'occasion de le long, je suis comme. Ah, ouais, c'est fun. Mais tu sais, aussi drôle que ça peut paraître, qu'au début et tout, c'était moi son préféré, elle t'avait pas encore parlé. Mais tu sais, c'est de loin toi qui es hot. Tu sais, moi, tout, je suis hot, mais toi, t'es juste trop hot. Fait que. My boy Carl, il a une belle petite copine. Nice! C'est cool de voir ça, par contre. C'est-tu moi ou. Ben, je l'ai dit souvent, mais. Au D'Afrique, il y avait tellement plus de... Il filmait les discussions qui étaient plus en gang. On pouvait comprendre qui était bien avec qui. Je trouvais ça le fun, man. Comparé à cette année, on dirait que le dernier OD qui s'est passé, c'était tout le temps drama, comme la bisbille entre tout le monde. Puis cette année, l'année OD Afrique, j'ai l'impression qu'on voit vraiment comme les gens jaser entre nous autres. C'est bien plus cool. Ils sont très, très beaux. Celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est ma soeur? Non, Louis-Philippe, c'est mon bébé. Mm. Mon futur bébé. Mm. Ouais. Ils sont purs. Mais je dois parler avec Chris, parce que c'est Chris, ça reste mon... Like, ben oui, mais c'est parce que t'en connais pas d'autres aussi, là. En même temps, Chris, tu le garderais? Mettons que Chris, cette semaine, il y avait beaucoup de zones grises avec les autres filles. Moi, je me vois pas faire ça à Claude. Je me vois pas voter Matt. Oui, je veux le sauver, Matt, pour Claudie, mais pour moi... Mais pour toi, quoi, Carl? Carl, j'ai du fun avec.
Il est nice, mais... Ah, c'est... mais c'est vrai qu'Alexandre, j'y avais jamais parlé avant ce moment-là, tu comprends? Donc, aucun Matt, il me défendrait. Parce que Matt te défendrait par rapport à Kiki. Faut être trois aussi, à mettre le même bruit. Quand... Smart, Rim! Smart! Qui arrive. Si on met pas le même bruit, les trois, ça va être leur décision à eux. Puis je te garantis qu'ils y avait zéro intérêt envers Kiki. J'aurais besoin de temps pour penser, man. Sans une belle soirée, vérité conséquente. Ah, oh, c'était de la merde, ça. Quelle soirée de merde, arc. Toutes les questions étaient targetées à moi, c'était-tu de la sauce, man? Alright, les amis, est-ce qu'on est prêts à partir ça? Yeah! Qui dans cette pièce te tombe sur les nerfs? Je ne peux pas être le réponse. Moi, j'étais fou la fleur de peau à ce moment-là, en plus. Déjà tombé sur les nerfs, j'aurais dit OK. Oh! As-tu déjà embrassé quelqu'un du même sexe que toi? Ben oui, oui, c'est vrai, oh my God, what was that? What the fuck? Conséquence! C'était pour rire, là! You nervous for? Ah, c'était quoi, ce gars? C'était frais, ça, quand même. Il a sauté dans la piscine, là. C'était une machine, mon gars. Oula! Hey, tout habillé en plus. Oh. Oula, conséquence. Right in there, boy. Check les shorts, hein? La short à Chris. Ah, on l'a déjà fait, ça. C'est sûr qu'il a pogné quelque chose qu'on n'a pas déjà fait, puis il voulait pas. C'est ça. Chris, pire joueur, ça terre. Il pognait un papier, il disait rien, il cassait à bout ses bras. J'étais comme, what the fuck? C'est pas ça, je peux-tu changer? Fais ta conséquence. Fais ta conséquence. Ouais, oh non, 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 non. C'est ma question et ma conséquence. Ah! Et tu réponds pas aux deux? Ouais, c'est plate. Ouais. J'ai trouvé ça comme vraiment plate. Que comme tout le monde a été super honnête, c'est la... Il est pourri parce que c'est nous qui avons fait les questions. Chacun avait droit à deux questions. Une conséquence, une question, du coup de genre. Puis là, il a pogné ses affaires. J'ai comme, dude, fais-le. Si tu devais éliminer une personne sur le champ... Oh, non! Ça serait et pourquoi? Ben, c'est pas une question. Donc, j'éliminerais... Man. Ouf. Elle est pas obligée d'être là, la personne. L'introduction. Non, mais je vais... Non, on joue au jeu, puis je vais y aller, je vais mouiller, je vais me tremper, puis elle sait que je l'aime de toute façon, je la connais pas beaucoup, mais ça serait Claudie, tout simplement parce que je pense qu'elle aime pas ça jouer. Je pense qu'elle aimerait ça vivre une belle histoire d'amour en ce moment avec toi, puis qu'elle trouve le contexte difficile, puis c'est aucunement contre elle. Honnêtement, je... Non, non, bon. On n'a pas vu pareil, là. Il y a comme eu 16 questions par rapport à moi, puis j'étais comme, crissez-moi à paix, man. C'était tout à l'heure des affaires par rapport à Claude. J'étais comme, va yel, c'est beau, là. J'étais tanné, man. Il y a comme trois questions que les gens ont écrit par rapport à moi, puis Claude, puis ils l'ont pas mis parce que c'était juste gossant, là. Ah, je respecte ça, c'est une bonne réponse, ça fait du sens, puis je comprends pourquoi elle pense ça. Rien de plus. Tout le monde me regardait, genre. Comment tu te sens, Claude, c'est pas là, c'est hot. Vous pensez que je me sens quand même? Vous savez tout comment je me sens? Selon toi, quel couple, OD, est le plus solide? Excluant. Mais je pense pas que tu penses anyway que le tien c'est plus fort. Non? Yeah. Ok, c'est pas un vrai jeu, faut mentir, c'est vrai. Mais le Manny. Hey boy, j'étais tilté, dude. Tabarnak. Mais le Manny boy, what's up, bruh? What up, bro? J'étais tilté. Calisse, dude. Oh. Parce que genre c'est trop franc, on veut pas jouer de game. Moi je joue de la merde. Hey, Mathieu, ils font des jokes. C'était zéro des jokes, genre, pis je le sentais, tu sais. Ça me fait chier sur partie. Ça me fait chier que ça la fasse chier qu'elle parte. Je veux avoir du tout le tout. Juste que il y a des conséquences, c'est pas mon jeu préféré. Puis Claudie est pas là. Puis que c'est tout, genre, c'est simple de même. Je comprends ce que Mathieu ressent, mais moi aussi mon boy est pas là. Puis je réagis pas lui, comme toi. Il était pas mad de partir. Camille, moi je réagis pas comme toi, big. Non, parce que tu te caches dans ton masque puis tu t'en tiens. Il est pas mal de partir parce qu'il est positif dans la vie puis il va avoir un voyage gratuit à Londres pendant deux jours. Je suis content pour mon boy Kev. Non, moi aussi, je suis content. Hey, t'en feras d'autres voyages. T'as dit que tu t'en vas moins avec lui. Mathieu, c'est sarcastique ce qu'il dit, là. Genre, je comprends pas ton inquiétude en ce moment. Pour moi, c'était insensé. Je pense, Mathieu, peut-être que tu pourrais, ce week-end, c'est une belle possibilité pour y offrir, comme regagner ta confiance. Oui. Non. Je vous adore tous ici, là. Je vous adore, vous êtes toutes vraiment cool, sincères. Moi, je trosse pas cette personne-là.
puis c'est tout. Mathieu est revenu sur le sujet encore de Kev, c'était pas un bon gars. J'avais juste envie de dire, change donc tout. S'il revient, Claudie puis Christy ont eu le plus beau voyage du monde, en fait, je vais être content pour lui. Non, mais pourquoi Claudie, t'as besoin d'être ça? Tant pis, être... parce que ça serait pas la mienne. Mon point de vue là-dedans... C'est... Ben, c'est vrai, par contre. C'est vrai ce que je dis. T'sais, si elle est pas amoureuse de moi à 1000%, je veux pas l'avoir dans ma vie. Pourquoi je suis en train qu'une fille qui sait pas sincère ce qu'elle veut pour moi? Mais là, j'ai juste fait comme... Ouf! Juste, il fallait que je sorte, je suis parti. Hey, c'est crissement frais, là! Tout le monde est là, ha, ha, comme si rien n'était. Ils tiennent tout un côté de l'autre. J'ai quand même une espèce d'écœurantite de game, un peu. On n'a pas vu les 16 questions qu'on me posait, genre, tu comprends? Tout le monde t'aime ici, le gros. C'est pas sa question. Tout le monde t'aime ici, le gros. Je me sens mal. Non. Non. Mais je sens que c'est moi qui ai commencé à mettre. Oh, violet. Je me sens bizarre, ça. T'as un peu. Je me sens bizarre. T'as un peu, t'as un peu. Oh, c'est juste que là, je vois le bout de vérité conséquence, pis c'est weird. Tu de voir un show basé sur des vraies émotions, pis là, je dis comment je me sens, pis le monde sont comme. Voir tout ça! Pis eux, c'est full fake, leur réponse. Tu comprends? Je suis comme, hey, beau gueule, là. Ah non, mais pas, je suis inquiet, c'est juste, c'est. Je le regarde, tu comprends, le pépé. C'est drôle. Je pense. Tu sais ça. C'est pas ça le problème. Mais tu sais dans le fond de toi, bro. Non, mais j'ai l'impression qu'il pense que genre j'aime pas sa gueule. Non, c'est zéro non, ça. Non, ça a pas rapport avec ça. Mais bon. Si tu laisses tes émotions tout le temps, genre take over, qu'est-ce que tu penses, genre tu seras jamais capable de comme, avoir un chemin droit dans la vie. Genre tu vas tout le temps comme te laisser rabattre par la vie. T'attaques la vie, faut pas que la vie t'attaque. J'ai pris l'appel à Draga, ce que j'y ai donné, là, puis je me creuse de trous, moi tout, puis je me mets dedans, puis je m'enterre moi-même avec mes mains. Ah, tout va être beau, gars. Let's continue. Asti, je vais trop drôle, dude. Messieurs, dames, je pense que on a fait le tour. Ouais, je pense que... Félicitations, vous avez été honnête et courageux. Vérité, conséquence, complète. Ben, j'étais colissement. Drôlement, ça m'a aidé, ça. Weird. C'est weird, mais ça m'a comme aidé d'une façon. Hey, bravo. Je sais pas, j'aurais pas dû être honnête. J'aurais dû juste éviter puis pas en parler. Là. C'est ça, en fond, tu me dis. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est apprendre à connaître Mathieu. Ils veulent pas voir un fantôme quand t'étais avec Claudie. T'as parlé avec Ophélia, t'as été avec Ophélia toute la journée, pis elle est comme, wow, Mathieu, il est hot. Oui. On en parle aux filles, pis tout le monde sont comme, c'est qui Mathieu? Comme c'est pas les impressions que tu veux laisser à du monde qui te voit une fois par semaine, bro. Je le sais, les émotions sont vraies, Mathieu. Sont vraies, bro. Je sais pas, j'aurais dû cacher ça, je sais. Je comprends, Mathieu, des feelings pis tout, mais c'est parce que tu gâches le moment de tout le monde en soir. C'est qu'à quoi? Alexandre, t'es tellement germy, là, ça n'est grave. T'as pris une demi-heure pour régler ton conflit, puis on aurait pris cette demi-heure-là pour faire d'autres choses. Jouer, genre. Tu serais parti en voyage live avec Claudie, Mathieu, là. T'étais dead. T'es dead en est. Bang. Là, t'avais une soirée pour justement que toutes les filles prennent ton bac, là. Pour ça, j'étais en train de me demander, il serait peut-être mieux, eux autres, en dehors d'ici. Tu comprends? On n'est même pas à moitié, tu comprends? Le jeu va les tester, puis ils vont être malheureux là-dedans, tu comprends? Et comment tu te sens, là? Parce que moi, je veux pas te voir partir. Moi, je me sens bien d'en avoir parlé. Mais j'ai parce pas... C'est un tout... bad move d'en parler devant les filles. Je regrette rien. Je m'en colisse. Tu te sens comment? Je regrette rien. Je m'en colisse. Je suis content de l'avoir dit. La réaction à Mathieu ou la réaction à Claudie, c'était trop. Mais non, c'est que dans ma tête, c'est que c'est... C'est tellement sincère, puis c'est tellement honnête. Puis oui, les couples en général réagissent de différentes manières, puis je peux comprendre ça. Ouais. C'est juste que mais personne... moi, peu importe dans la manière dont ça s'est fait, j'ai senti... Personne le doute de l'identité de Mathieu et Claudie en ce moment. Personne. Ben, personne. Ben, je on sais doute. Pas. Je sais on pas doute. Si tu le sais. Ce qu'on fait... Comme la seule personne qui a pas joué comme ce soir, c'est ton boy. Il a pas été capable de répondre ni à vérité, ni... Oh, et Ophélia qui ramène... Non, let's go, Ophélia! Elle travaille pour moi, là. Oui, OK, d'abord. Matt, lui, il a répondu aux questions. Chris, par contre, il a pas répondu aux questions. Oh, chou, le turn, dude. Est-ce que Chris, t'aurais voulu qu'il réponde ou c'était quoi la question? Je veux qu'il réponde. C'est tout. Non, c'est quoi la question qu'il a pas répondu? On le savait pas, il l'a pas répondu. Mais moi, je sais pas de quoi vous parlez, pour vrai, là. Tout ce que je dis en ce moment, c'est que
je comprends pas ce que vous me dites par rapport à Chris. Genre, Chris, non, la seule chose, c'est même pas dans le sujet. Moi, j'ai rien dit par rapport à Chris. Ben, il était pas dans, dans ton sujet. Là, t'es comme, c'est quoi ce gars-là? Là? What the f***? Ouais, moi, je pensais que c'était. Méchant, c'est à qui la fille qui t'attire le moins ici? C'est ouais, méchant, je comprends ça. C'est juste là, la tête. Ton père, ramène pas, je m'en casse. Mais. Aidez-moi! Ouais, mais c'est pas une question d'aider, girl. Tu veux qu'on parle, moi, plutôt, on parle, moi, plutôt. J'ai rien d'autre à dire. Mais t'as dit comme ta bouche? Ok, qui tu veux la rester respectueuse? Non, mais je suis respectueuse et puis je te dis tout de suite, genre, je me contiens. J'ai de la difficulté. Moi, je trouve que Rim était crissement boss. Quand elle se chicane de même, là, elle est tellement powerful, man. C'est comme. C'est insane. En ce moment, à t'écouter, puis j'ai juste le goût de f*** aller dans ma chambre. Mais va-t'en dans ta chambre si t'as envie d'être dans ta chambre, girl. Ah. Pour vrai, là, ça fait des années que j'ai pas été à cette limite-là. Là. Genre, ça fait tellement longtemps que je me suis pas rendue dans cette zone-là. Là. Hé! C'est parce qu'elle vient qu'elle a un blocage, elle écoute plus. C'est de même. Rien autour d'elle. Fait que moi, j'ai abandonné. Là, c'est ça, mais je comprends. Elle fait juste que, tu sais, moi, dans ma tête, ouais. Sur le moment, je me disais peut-être que, tu veux pas, moi aussi, j'ai vu, je me disais peut-être que c'est moi aussi. Que je veux dire, je te connais pas beaucoup, mais genre, je connais plus Rim, mettons. Puis oui, c'est vrai que Chris, il a pas répondu aux questions. C'est de la merde, hein? Les gars, ils ont été cute par rapport avec Matt. Oh mon Dieu, les gars, ils ont été à. Tu sais, tu vois que les gars, ils carent tout de Matt puis ils l'aiment tout. C'est tellement cute, oui. Man, c'est pour ça que je suis tellement indécise. Pourquoi faut éliminer un gars? Drôlement, ça a vraiment bien fité, genre. C'est fucké. Parce que là, il reste encore un party. Puis à l'autre party, je vous jure, les chums, là. Ah, c'est que j'ai smurf. Je vous donne rendez-vous dimanche soir, toujours à la même heure, 18h30, pour une soirée sous le signe de la stratégie. Bon, là, vous allez me dire, KOD, chaque soirée est sous le signe de la stratégie. Mmh. Oui, mais là, ça atteint un autre niveau. Les gars sentent la soupe chaude, non pas parce que j'ai cuisiné, mais puisque c'est une élimination de garçons cette semaine et que de nouveaux candidats s'en viennent très, très bientôt.